江湖传言贵妃要带着藏宝图归隐，各方势力都在蠢蠢欲动。我都没了，君在哪里？你老实告诉我，这镖还能不能跑？是一条不归路。跟这儿彪子，salut, on va se retrouver pour parler d'une bonne petite surprise, The Bravest Escort Group, un film réalisé par Tao Mengzi et qui compte à son casting un bon nombre de gueules connues du cinéma hongkongais, à savoir Ray Lui, qui brille toujours peu importe le film dans lequel il joue. Ray Lui, il brille. On retrouve aussi Leung Karian dans un petit rôle, Leung Karian alias Birdie. On a aussi une petite apparition de Ken Lo. On va retrouver également en tête d'affiche Fan Su-wong, qu'on connaît pour The Story of Ricky. Fan Su-wong, l'homme qui a la même tête depuis 25-30 ans, l'homme qui ne vieillit pas, comme beaucoup d'acteurs asiatiques. On va aussi retrouver Andrew Lin et la très jolie Xu Dongmei. The Bravest Escort Group, c'est un Wu Xiapian à l'ancienne. On dirait que ça a été tourné il y a 27 ans et oublié dans un carton dans une boîte de production hongkongaise, et que ça y est, on vient de retrouver le carton, d'ouvrir et de trouver la bobine du film et de le diffuser. Ça sent bon la old school, mais vraiment. De par son casting déjà, hein, des têtes d'affiche qu'on connaît depuis 20-30 ans maintenant, pour la plupart, et qu'on prend un grand plaisir à retrouver ici. C'est aussi dans la construction du film que ça sent bon la old school. On va avoir une première partie, pas la meilleure des deux parties du film, qui va nous présenter toute la galerie de personnages. Il y en a un petit paquet. Et qui va mettre en scène un petit peu d'humour, présenter les enjeux, présenter les relations entre les différents personnages. C'est sympa, mais bon, c'est pas folichon non plus. Il y a un peu d'humour gras cantonais qui fait plaisir, parce que... qui fait plaisir quand on l'apprécie, comme c'est mon cas. Après, si des gens non initiés vont regarder ça, ils vont se dire « Ouais, bon, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Et peut-être pas aller au bout du film, ce qui serait très dommage. Parce que la deuxième partie est super riche en affrontements. C'est quasiment 40 minutes de fight non-stop, avec tout ce que ça implique de duel à l'épée, de tir à l'arc, de corps à corps et de sacrifices héroïques. C'est très bien chorégraphié, c'est toujours lisible. Il y a des plans assez larges, il n'y a pas beaucoup de cuts pendant les scènes d'action, ou s'il y en a, ils sont pas, c'est pas, on n'est pas du tout dans le surcut, dans le tac 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 tac. Non, ça prend le temps de bien filmer. Les prouesses martiales des acteurs sont bien mises en avant, et les lieux sont bien utilisés, c'est bien chorégraphié, bien agencé, c'est bien rythmé aussi. C'est, comme je disais, quasiment 40 minutes de différents combats et on s'ennuie pas du tout. Et là, le film prend toute son ampleur. Niveau narration, niveau histoire, c'est très classique, hein. On va avoir les clichés du genre, les soldats, les rebelles, les villageois qui sont pris entre deux feux. Ce groupe donc qui doit escorter une princesse et les relations entre les différents membres du groupe et... Et voilà, c'est pas un film qui est original du tout, hein. On a eu ce type de film à la pelle dans les années 90 à Hong Kong. Mais là, c'est un espèce de revival qui vraiment fait plaisir. C'est généreux, c'est sincère. Il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, bien qu'il y ait des beaux plans sur les paysages. Il y a des plans qui sont assez impressionnants, un peu courts, mais qui posent le décor, et il y a 2-3 scènes assez jolies à regarder. Le film est sorti le 24 août 2018, il y a quasiment un an à le voir, mais je ne regrette pas du tout, parce que c'est vraiment une bonne petite surprise.
C'est un bon petit film à l'ancienne, il y a de l'action, un casting qui fait plaisir. Donc si vous tombez dessus, ou si vous l'avez déjà vu, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Hein. Et si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venir me faire un retour. C'est un film qui mérite clairement le coup, de par sa générosité, de par sa sincérité aussi. Mais il mérite d'être bien plus connu que ça. Voilà, c'est une critique assez rapide, parce que il faut découvrir le film et j'ai pas envie de spoiler ou de raconter des scènes majeures. En tout cas, sachez que si vous cherchez un petit film à l'ancienne, The Brevest Escort Group est pour vous. Voilà, ça sera tout pour cette critique. Je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.